En plus des problèmes liés à la couverture médiatique de certaines zones, il y a ceux liés à l'enclavement des localités. L'état des routes dans plusieurs régions laisse à désirer. Le constat dans la région du Nord avec Jean-Hude Bayala et Draman Dadia. Nuages de poussière, nous sommes sur l'axe Yakotougan. Et c'est ainsi à chaque passage du cortège des candidats à la rencontre de leurs militants des villes et campagnes. Ce qui fait des mécontents, à l'image de cette riveraine au secteur 12 de Wayiguya. Nous souffrons vraiment avec l'état de la route. Et puis, il y a trop de poussière, vous voyez. Les politiciens pourtant nous promettent chaque fois d'arranger la voie si nous les votons. Mais ils ne tiennent jamais promesse. Outre la poussière, la plupart de ces routes communément appelées voies rouges sont truffées de nids de poules et en état de dégradation très avancé par endroits, comme ici sur le barrage de Tougou, sur l'axe Waiguya-Titao. Là où il y a le barrage, là, en tout cas, c'est pas bon du tout. Oui, c'est très dangereux. Nous leur demandons sincèrement de voir ça. L'état de la voie là n'est pas du tout praticable. Donc, ça fait que les usagers de la route, on ne peut même pas aller. Voilà. Donc, si l'État peut faire quelque chose pour nous. Et ces usagers espèrent que leurs préoccupations trouveront solution avec ceux-là qui seront élus le 29 novembre prochain.